Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec nous encore Dr. Valsin. Aujourd'hui, on va parler nous de ça à la vaginite ou bien infection vaginale. Mais dans la vidéo, ça, on va connaître quel type d'infection vaginale vous avez, quelles caractéristiques vous avez, quels symptômes vous présentez, et on va connaître tout, qui moi on capte pour éviter de gagner quelque là-dedans. Eh bien, santé vaginale, là, nous connaissons un élément qui est très important globalement dans la vie d'une fille. Mais les filles qui ont des problèmes dans la vagine, ça a affecté la fertilité, il a affecté le désir sexuel, il a affecté tout la capacité pour l'atteindre l'orgasme. Et ça a arrivé tout, il a causé stress dans la fille, il a causé des problèmes dans la relation et l'autre problème encore, ça a causé dans la vie de la fille. Eh bien, qui ça qui est vaginite? Vaginite elle-même, c'est une inflammation qui produit dans la vagin. Eh bien, l'inflammation, ça elle-même, il est capable d'affecter la vulve là tout. Vulve là, c'est lui-même qui recouvre, c'est partie externe qui couvre le vagin, hein, et là, ça a eu vulvo-vaginite. Eh bien, vaginite, c'est une maladie qui est très courante dans mesdames, surtout les dans l'âge reproductif. Ça veut dire, nous avons un moment où nous avons fait le monde. Eh bien, une principale raison qui fait vaginite la l'écosé, c'est un déséquilibre qui vient entre bactéries normalement qui sont dans le vagin avec l'autre bactérie qui colonise le vagin qui a causé des problèmes là-dedans. Eh bien, vaginite lui-même, il est caractérisé par plusieurs, si nous avons plusieurs types de vaginite. Nous avons ça aussi, vaginose bactérienne. Nous avons ça aussi, vagine à levure, ça aussi, candidosa. Et nous avons tout qui posé par ça aussi, trichomonas vaginalis. Eh bien, dépendamment de qui type de vaginite vous avez, ça va dépendre de vos symptômes avec caractéristiques. Eh bien, au même qui a ça aussi, on vaginite, normalement, on peut présenter différentes qualités de symptômes. Bien ça vous gagne ça ou les écoulements vaginal ou bien des perles vaginales qui capable gagner différentes caractéristiques selon type de vaginose ou gagnant et bien ça ou les tout et saignement vaginal ou bien des taches vaginales ou gagne ça ou les mixtures douloureux, ça veut dire les pipi ou sentir un peu de douleur et ou gagne quelques autres symptômes tout moi pas parler de opi devant les m'a parler de chaque vagin séparément. Si m'a prend exemple vaginite qui plus commun c'est ça ou les bactérienne vaginose. C'est lui-même qui représente 90% de vaginose dans mesdames. On dit de 15 à 44 ans, c'est ça qui est plus commun dans mesdames. Et mais, qui est la principale cause qui produit? Et la cause principale, là, j'aime vous dire tout à l'heure, c'est un déséquilibre qui vient la principale bactérie qui vient dans le vagin. On est vagin, il y a une propre bactérie qui sert de protection. Si ma prenons exemple lactobacille, yo là au même protéger vagin et que l'autre bactérie tout qui colonise vagin c'est l'événement des éclipses à les produits yo prêt pour infecter. Si nous prenons exemple comme garder la vaginaliste, eh bien quelques facteurs qui ca augmenter risque ça pour faire produire un vaginite. Si nous prenons par exemple yo monde qui utilise antibiotique là utilise les ont besoin des monde qui utilise excessivement ou bien qui utilise sans ou pas on besoin vraiment. Ça a affecté l'équilibre vaginal là. Et les cas produit une infection. Et il y a un monde qui a pris un corticostéroïde. Il y a un monde qui utilise ça le dispositif de caractérine. Ça veut dire que les gens qui font planning ont une sorte de dispositif de mettre en dedans. Et ils augmentent les risques pour gagner vaginite. Et si un monde qui a plusieurs partenaires sexuels, et au même tout qui a une relation sexuelle avec un nouveau partenaire sans protection, ça a augmenté le risque pour faire vaginite. Eh bien, ou même qui a une vaginite bactérienne, une principale caractéristique, c'est l'écoulement vaginal. Là. Ça nous appelle la perte vaginale. Là. Ou même qui a une vaginite bactérienne, ça arrive tout, ou pas présenter aucun symptôme. Mais, si vous avez un écoulement vaginal, il y a une caractéristique bien déterminée. C'est une sécrétion qui blanche, qui court sous gris, et qui est nauséabonde. Même si nous avons si je ne parle pas de bon créole, là, on dit les sentidies. Ça veut dire les gens sont poissons. Et les gens sont plus abondants après que ça fin fait sexe. Ça veut dire, ou même, si tu as remarqué dans le kilo, quel que soit le fil à la caméra de vidéo, les comptes, les gens ont pile filet aussi qui est sur eux, ils prennent ça pour connaître comment ça est. Mais si tu as pris un gars dans le kilo, tu vois une sécrétion qui est blanche, qui court sous gris, et puis là, tu prends ça pour les sentidies. Et pour t'avoir remarqué, si tu as une personne qui est mon partenaire ou elle est augmentée, on peut penser que ça a une vaginose bactérienne. Donc, ça a une infection à levure là. Et levure là, lui-même, c'est un fond de l'infection qui est causé par un organisme qui est le candidat albicans.
Et bien lui même qui ça lié, c'est un champignon qui presque tout côté inclus dans corps nous. Et bien les candidats ça yo, yo viennent à augmenter dans vagin hein. Nous j'aime dit d'aller à vagin lui même gain ça le lactobacille là pour protéger lui. Et bien les vinn gain plus candidat que lactobacille ça capable produire ça relé une infection à l'œil. Et bien ou même des facteurs qui capable faire ou une infection ça, ce sont monde qui enceinte, ce sont monde qui diabétique qui pas traité. Si tu l'as pas contrôlé, vous avez plus de chances pour développer une infection vaginale avec, à cause des bactéries, des fungus ça. Et bien, ou même tout, cap un corticostéroïde, ça a un facteur qui augmente les chances. Pas. Et bien, si vous présentez une infection avec Candida albicans, une principale caractéristique, c'est ça, vous avez démangeaison. Ça n'a pas les gratelles là. Ça veut dire que vous avez un gratel qui pas jamais été dans le vagin. Et à force que vous avez gratté le vagin est irrité. Avec tout le tout bien les vieux, ils vont irriter et ils vont rouge et ça va provoquer les pipi ou sentir la brûlé en pile. Et bien, une caractéristique de écoulement vaginal, mon qui gagne infection avec candida, si vous gagnez, c'est un écoulement qui blanche, qui très épais, les temps pour fromage, avec du fromage à côté, fromage ou coupé. Si vous gagnez une infection comme ça, vous remarquez où on sécrétion. Non qui l'autre qui blanche qui épais qui presse et pour grand pile gratel ou ka penser que ou gen infection avec candida albicans. Et bien ou même tout qui gen on vagine qui cause pas ça ou trichomonas comme on ka prendre nous même parce que trichomonas c'est un organisme qui produit par relation sexuelle. Ça veut dire si on gen sexe ça on qui gen infection par trichomonas ou apprendre ou gen va prendre sous partager même bouche toilette avec un qui gen trichomonas ou capable prendre. Et si vous partagez même serviette tout avec un monde qui est trichomonas pour capable de gagner sa rôle une infection vaginale à l'aide de trichomonas. Et bien, qui symptôme qui présente une infection par ça, par trichomonas là, ou quand vous avez sa rôle, miction douloureux, ça veut dire l'or pipi, la formale, ou quand vous avez douleur, l'or fait sexe, vagin en formale, et bien, ou quand vous présentez sa rôle écoulement vaginal là tout, et bien, écoulement ça l'or gagne lui-même, ils sont écoulement qui vert et qui courent sous jaune. Ça veut dire l'hiver les couilles sous jaune. Si tu as remarqué dans culotte ou rayon écoulement comme ça qui vert qui couilles sous jaune, ou qu'à penser ou gagne une infection par organisme aérien trichomonas vaginalis là. Et bien ou même qui gagne une infection ça yo, ça qu'arrive tout c'est pas en ken ni bactérie ni levure ni parasite qui produit. Gagne des produits hygiéniques n'a pas utilisé yo même tout. Yo ki nou avè yon nou kon, yo vin produit sa rele irritation vaginale et sa ka vini yo produit ni sécrétion mais pèt vaginal la, démangeaison, sa nou le gratel la ou bien douleur tout. Si nous par exemple grand pi madame qui utilise sa rele douche vaginale, c'est un constituant qui utilise pour faire toilet par en dedans, et dans son forme d'applicateur, ça veut dire l'on utilise bagay sa yo en dit pour savon, déodorant vaginal, vaporisateur vaginal, sa yo yo capable provoquer un déséquilibre entre bactéries normalement qui supposé dans vagin avec l'autre bactérie qui là qui colonise. Ça veut dire que vous avez un déséquilibre, bactéries ça qui là pour protéger, vous avez une diminuer en quantité, et bien ça qui là qui a causé dommage, vous avez grandi. Et bien vous même qui avez un problème ça tout, ça qui arrive sous son monde qui enceinte, ou bien vous avez un monde tété, ou bien vous avez une ménopause tout, ou vous avez une vaginite à cause de yon réduction des hormones ça ont les estrogènes. Et bien même qui a un problème ça yo ou capable aller au médecin si vous persistez surtout si son monde première fois au présenter symptômes ça yo. Et bien là quand au médecin comment le diagnostiquer ou la diagnostiquer ou aller bien histoire clinique mandé ou poser question sur antécédent médical ou poser question sur type de symptômes ou gain et surtout la chercher connaître sur des peines vaginales qui couleur li qui caractéristique et qui odeur les gain parce que à l'aide de ça docteur a déterminer qui type de vaginite ou gain. Et bien ça qui arrive tout lui fait des tests qui plus avancés pour ta connaître qui infection ou gain. Et bien pour aller docteur il fin fait tout ça yo prochain step passer pour le traitement. Et bien traitement va dépendre de qui type d'infection ou gain. Si c'est une bactérie comme par exemple vaginose bactérienne, et bien traitement il va yon antibiotique ça qu'arrive docteur à bord comprimé il y a bord crème il y a bord gel tout. Et bien il recommandé si on fait traitement pour une vaginose bactérienne il t'a recommandé pour pas faire sexe dans moment où on prend traitement. Mais si vous t'avez
entrer dans relation sexuelle tout, les recommander pour utiliser un préservatif. Et bien si vous avez une infection à levure, ça nous les candidats albicans qui c'est un fungus. Docteur allez pas pour antifongal, ça va arriver c'est un comprimé ou bien une crème tout pour mettre dans vagin ou. Et bien si vous avez une infection ça ça qui commun dans vaginalis là, docteur a tout les pas produire les pas prescrire ça et un antibiotique. Des fois, que ça va les fragile ou bien fragile, ou bien ça va les métronidazole là. Des fois, on va prendre une dose de 2 grammes, 4 litres, ça va être pour moi là, une seule fois. Mais les recommandés, si vous-même qui fait ou bien infection, vous connaissez les pulmonazie vaginaliste, si vous traitez de tout, il faut faire partenaire ou faire traitement tout. Parce que sinon, ça va arriver, vous faites traiter de tout, et puis partenaire encore, les rebats même infection ça. Et bien, il y a un conseil à porter pour nous, mesdames. Vagin en lui-même, il n'y a pas besoin d'un nettoyage extra, ça veut dire en plus. Lorsque vous prenez une douche vaginale à répétition, vous ne lavez pas dans le vagin noir, savon, déodorant vaginal ou l'autre liquide spermicide que vous faites, ça va arriver à altérer l'équilibre qui gagne dans le vagin. Même bactérie ça qui est là pour protéger le vagin, ça va arriver à un déséquilibre vous-même et vous allez produire infection vaginale. Ça veut dire vagin. Les gens pour bactéries parlent pour qu'ils prennent soin. Il y a un peu de monde qui utilise liquide pour faire toilette en pensant que les poils bail vagin en bon odeur, la fait gens qu'on dit à soi sec ou bien plus bon. M'a dit nous, gens nous qu'on dit à visage nous, c'est parce qu'on nous vagin nous c'est visage nous. Eh bien, prend soin oui, mais on pas obligé à utiliser savon qui sent bon ou bien des déodorants vaginal, parfum vaginal ou bien un peu liquide. Pour nettoyer dans le vagin, ça a causé ou une infection vaginale. En plus tout, gain type de culotte utilisé, ça a rendu gain infection vaginale. Antibiotique, il y a un peu de règles, il y a antibiotique en pensant que antibiotique là pour protéger ou pour pas faire infection vaginale. Je dis non. Si vous devez faire ça, après vous faire des vidéos, ça pas faire encore. Parce que antibiotique là, l'on prend, on va penser que vous allez deux, il va faire une pimale. Parce que vous ne pouvez pas prendre une raison exactement. Le point concerné qui va venir altérer l'équilibre ça qui est dans le vagin, ça va venir produire infection vaginale au lieu de l'idée ensemble à ça. Et m'a dit nous, si vous avez une infection vaginale, parlez de garder ça sans nous pas prendre aucune précaution parce que au moins qui est enceinte qui a une infection ça va arriver pour un petit monde prématuré, il va faire un petit monde qui fait des poids et ça va arriver ou bien l'autre complication tout qui vient arriver dans vous-même. Ou même qui fait regarder vidéo ça, pas juste aller. Likely, partagez pour l'autre monde. Mesdames, prenez soin de nous, mais ça va vous dire pour utiliser savon, ni déodorant, ni spray vaginal, ni l'autre méthode encore, parce que le vagin lui-même est capable de faire ça, peut-être pas. Merci encore, nous avons une autre vidéo.